Il y a un truc que je me disais au début, quand tu travailles la farine, tu commences avec de la poussière. Je parle vulgairement, hein, c'est vulgaire ce que je dis, mais avec de la poussière, on nourrit Paris, quoi. On est un peu les Harry Potter des petits déjeuners. On est des distributeurs de bonheur. Ouais, ils sont longs quand même, hein, mes jours. Moi, j'essaie de me coucher vers 8h30, 9h grand maximum. Tu regardes tout le temps l'heure. On a des paires par rapport aux heures, comme on fait tout le temps pratiquement les mêmes choses. On essaie de ne pas être trop en retard par rapport à nos horaires, quoi. Tu vois, au début, il y a quelques années, le fournil, il était au sous-sol. Et pendant la nuit, je ne voyais jamais personne. Là, maintenant, si je veux voir du monde, je lève le volet. Si je veux voir personne, je descends le volet. Les gens savent que tu es boulanger, tu bosses. Ouais, il y a du respect quand même. J'ai pas beaucoup bougé de place, tu vois. Ouais, j'ai vieilli. Tous les ans à la même époque, on se dit putain. Allez, on s'en va. On arrête tout et on se casse. Mais on sait pas trop. Tu savais que t'avais pas de temps pour toi, mais c'était normal. Moi, dans ma tête, c'était. Je travaille et puis. Et puis j'essaye de m'en sortir et de faire le mieux que je peux avec le peu que je sais. Quand tu vois les anciens qui partent à la retraite, qui n'en profitent pas nécessairement, j'ai pas envie d'en arriver à ce point-là, tu vois. Tu travailles des heures et des heures. Et puis qu'au final, t'as pas beaucoup de salaire derrière, de temps pour toi, tu savais pourquoi tu le faisais avant, mais maintenant tu sais plus. Donc c'est un peu pénible. C'est ce truc-là qui est chiant. Mais bon, à part ça, c'est bien. Ouais. On aime bien, on est indépendant, on fait ce qu'on veut. On se lève pas à l'heure qu'on veut, mais presque. Non, non. Enfin, voilà. J'ai l'impression d'être dans Confession intime. Ouais. Ouais. Praline rose, gaufre praline rose et un roll. Mais à mon avis, c'est un croquis. Si tu peux lancer les deux, lance les deux. Ouais, un petit peu des deux. Je vais faire première, 3 et 3. Ça roule. Quand tu commences ta journée, en fait, la grille, elle est vide et qu'au fur et à mesure de la nuit, elle se remplit. Et c'est ça qui est vraiment magique. C'est le fait de pouvoir se dire qu'on est parti de rien et là, on a tout rempli. Et ça, c'est génial. Priscilla, elle a grandi dans le quartier. Sa grand-mère habitait au bout de la rue. C'était la boulangerie de son quartier. Et quand elle a voulu faire pâtisserie, elle est venue faire un début d'apprentissage ici. Dans l'autre sens. Et donc j'étais restée en contact avec les propriétaires et à chaque fois que je passais voir ma grand-mère qui habitait au bout de la rue, je passais dire bonjour aux anciens. Et un jour, quand je suis venue, ils ont dit, au fait, tu m'avais dit que le jour où je vendrais, ça t'intéresserait peut-être. Bah là, je vends. Et c'est comme ça que ça a démarré. On est tous les deux un peu pareils. Hein. On s'était fixé pour objectif de rester ici 7 ans. On a fait le double. C'est pas grave. Bah, de toute façon, ce genre de truc, si t'es pas à deux, c'est compliqué à le réussir, tu vois. Alors les gaufres, on va pas tarder à les faire là. Okay, ouais, là on lance la machine là. 10 minutes.
Oui. Même pas. La vente en boulangerie, c'est sans arrêt, debout, à courir. Alors là, c'est très calme parce que c'est les vacances. Mais normalement, à cette heure-ci, tu as tous les parents qui viennent pour faire la première vague où ils viennent chercher les croissants, les pains au chocolat, petit déjeuner. Donc c'est extrêmement rapide parfois le matin. Ça, ça n'a pas de prix d'aimer le travail qu'on fait. Du coup, je pense que la pénibilité, on la ressent moins. Parce que c'est un travail qui est intense, mais si on aime ce qu'on fait, je pense que du coup, ça minimise la pénibilité. Notre métier est transportable un peu partout. Je me dis, si on arrive à faire ça ici à Paris, on arriverait à faire ça ailleurs. Il n'y a pas de raison. C'est vraiment la passion qui fait qu'on reste dans ce travail, quoi. Quelle heure il est ?